Hey, salut tout le monde! Ça va bien? Moi, ça va bien. Et là, je vais enlever le double son. Donc, là, tout le monde qui se demande c'est quoi ça? Un secret? Un secret. Fait que. Donne-moi un break. Donc, c'est un secret. Fait qu'on va en parler peut-être plus tard, là, mais bref. Ça fait partie du concept Savage et des tiers. Des tiers sur le site. Donc, Vincent Rodrigue, non, personne a deux spots. Fait que, salut à tout le monde. LP Leblanc, Kevin Frenette, JP Petit, Yakov Moscal, Nick Bélanger, évidemment, Tommy Gagnon. Fait que non, il n'y a personne qui a deux spots. Donc, on va. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est pour. Il y a un peu de tout, là. Il y a genre de la première génération, dont Gino Lévesque et Jean Desroches. Et il y a des gens de plus, nouvelle génération, dont Fred Mercier, qui. Vous devez vous dire que tabarnak, hein. The fuck is that? Mais bon, fait que. On va remercier tout le monde. Vous le savez pourquoi. Donc, Vincent Rodrigue, Michael Asselin, Tommy Gagnon, LP Leblanc, Kev Lachance, Rémi Lalancette, Michael Coron, Sonny Dubé. Max Legault, Jonathan Gingras, David Vien, JP Petit, Samsung, Phil Grenier, Jean-Guy Perron, Nicolas Bélanger, Éric Leblanc, Guillaume Lacombe, Kimi Desgranges, Jason Wright, Steve Robitaille, Yakov, Maxime Gaudreau, Mathieu Bourdeau, Dom Caron, Mathieu Saint-Maurice, Kevin Asselin, Jean Desroches, John Lévesque et Fred Mercier. On va passer ça et on va commencer ça, ce beau petit break de 5 boîtes-là. Donc, 7 fois. Et on y va, donc soit dit en passant, là, il y a un autre break après, il est plein, on va le faire après, et il risque d'avoir un petit, bon ben, mal fait mes affaires, hein? Il risque d'avoir un petit late night, ce soir, jazz, super jazz, donc fichier nouveau, et on va mettre ça ici, et on va aller chercher ça, on va copier ça. On va les mettre ça ici, on va enlever ça, on va mettre ça. Aiden numéro 1. Give me a break. Et on s'en va voir. Le random donne quoi? Il donne Michael Coron avec les Ducks, Yakov qui se retrouve avec les Coyotes de Venado, les Bruins, les Sabres à Kev Lachance, Rick Leblanc, les Flames, The Hurricanes à Jason Wright, Dominique Caron, les Blackhawks, l'Avalanche à Nicolas Bélanger. JP Petit, les Blue Jackets, les Stars à Jean Desroches. Les Red Wings à Mathieu Bourdeau, les Oilers d'Edmonton à Sonny Dubé, Jean-Guy Perron, on retrouve avec les Panthers, les Kings à Vincent Rodrigue, le Wild à Kimi Desgranges, Guillaume Lacombe à le Canadien. Le chanceux, hein? Toujours resté. Joe Gingras, Nashville, Mathieu Saint-Maurice, les Devils. Ensuite, on a Gino Lévesque et les Islanders. Les Rangers s'en vont à Samsung. Là, je vais juste enlever ça ici. Les Devils. À Gino, les Rangers à Samsung, Maxime Gaudreau, les Sénateurs, Phil Grenier, les Flyers, les Pingouins, les Leblanc, Michael Asselin, les Sharks, les Blues, Kev Asselin, David Vien. David Vien, les Lightning, Maple Leafs, Rémi Lalancette, Fred Mercier, les Canucks, Vegas, Tommy Gagnon, Max Legault, Washington, et les Jets à Steve Robitaille. Mais non, je n'efface pas mon historique, moi. Fait que. C'est juste que je comprends pas. Pour vrai. Sûrement que. Je sais pas, man. Ça... Mon téléphone, en tout cas, il est numéro 2. Là. Give me a break. Et on s'en va. Donc là, dans le fond, je voudrais juste remercier tout le monde qui est là. Hein? Donc là, je sais que c'est pas tout le monde qui pouvait être là live. Mais là, les... Oh, regardez ça, comment le programme, il fait pas bien les couleurs. Oh, j'aurais dû recommencer, mais... remercier tout le monde. Je trouve ça un peu plate que ce soit pas tout le monde qui est... Genre... Pas tout le monde qui puisse avoir des hits. Mais... Derrière ça se cache une petite Funko Pop que je vais faire tirer parmi tout le monde. Ça va être tout de suite que je vais faire ça en plus. Multi giveaway. Une petite Funko Pop de Wayne Gretzky. Si, let's go. Wayne Funko, let's go. Ça va aller à qui ça? C'est le top 1 gagne. Hein? Fait que 5 fois la petite Funko Pop là. La petite Funko Pop, on va aller au random, on va regarder ça. Donc... 5 fois tous les noms, Wayne Gretzky, let's go.
Funko Pop, Wayne Gretzky, c'est Jean Desroches qui gagne la Funko Pop. Donc, et voilà. Non, vous pouvez le voir, là, vous pouvez le voir. Donc, Jean, ça s'en va chez vous, ça. Funko Pop. Funko Pop. OK, donc là, tout est là, tout est là. Donc, tout est là. Et on va commencer avec la série 1 retail de l'année passée. On va ensuite enchaîner avec la série 2 de cette année. On va aller avec la 18-19 pour Buffalo. Parce que j'ai déjà prédit que Jack Eichel était dedans. Donc, après la Ice 18-19, la Clear Cut, et on finit ça avec la Diamond. Donc, là, moi, ce que je voulais faire, c'était 18-19, 19-20, 20-20, 21 pour que le plus de monde possible puisse avoir une équipe. Puis peut-être avoir des hits avec des rookies différentes. Hein? Parce que plus les années sont différentes, plus on a d'équipes. Parce que contrairement à, mettons, j'allais dire les Oilers, là, mais ils n'ont pas vraiment de bonnes recrues à part Connor mais McDavid de Gungan. Mais c'est juste que. C'est pas tout le monde qui finit dernier, tu sais. Comme New Jersey, mettons, là. Cette année, c'est pas si hot les avoir, là. Mais l'année passée, il y avait Jack Hughes. 18-19, c'était pas si hot les avoir, mais on a Jack Hughes en 19-20. Yes, hey, ça fait plaisir en passant, là. C'est pas grand-chose. C'est nous autres qui vous remercions. Hey, je sais pas si vous le savez, là, mais on est au break 467. Ça, c'est pas mal grosse à vous autres. Pas mal une grosse partie. Il y a plein d'autres gens, là. Pour de vrai, là, après ça, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, aïe, aïe, man. Il y a du monde que, genre, faudrait faire un break à, genre, 75 personnes. Mais bon. Mais là, Jakov, désert. Attends une minute, là. Attends une minute. Barrett Hayton. Barrett Hayton, peut-être, hein. Peut-être dans Clear Cut, imagine, là. Imagine une petite Barrett Hayton, mais genre complètement folle, là, high gloss ou un d'un. Donc, on va commencer ça comme ça. On s'en va voir. Donc, série 1 de l'année passée, retail. Donc, là, ce qu'on veut, c'est vraiment. C'était du gravy. C'était pour acheter une boîte. Pour avoir au moins 6 autres Young Guns. Fait que là, il y a du Jack. Il y a du Jack et du. Il y a du Jack, du Quinn. Et on a aussi, du coup, les glaces là-dedans, du Hall of Sun. Et on commence avec une Ryan McDonough. Lui, il nous fait regretter amèrement l'acquisition de Ryan. J'ai dit Rangers, mais c'est pour le Lightning. Donc, parce que je pensais à Scott Gomez. On commence. Bonne chance à tous. Et on va. Notre premier Young Gun, ça va être quoi? C'est une joke, là. J'ai dû passer de quoi, là. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait des séries de même, là. Ah non, je pense que. Moi j'aime ça, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on sait qu'on a des cartes de base, des paquets avec juste des bases. Et là, on vient d'en passer deux consécutifs. Fait qu'il veut dire qu'il en reste moins dans le boîte. Parfait, Joe. Bonne chance. Tantôt, quand tu vas regarder, je te souhaite d'avoir une équipe. Je me souviens plus quelle équipe que t'as, mais je te souhaite d'avoir des hits quand tu vas regarder. Et là, je vais juste finir ça ici. Juste aller voir dans la Aiden. Donc c'est ça. Je voulais pas donner deux spots à personne. Yann, ce qui semble avoir compris un peu. Yuli Canvis, Ryan Nugget Hopkins pour les Oilers d'Edmonton. Fait que c'est juste que c'est comme. J'ai essayé de prendre les clients. Parce qu'il y en a d'autres là. Et notre premier Young Gun, c'était une Max Jones pour les Ducks d'Anaheim et Mikael Caron. C'est qu'il y a vraiment plein de monde qui, genre, c'est sûr, j'en ai oublié. Mais tu sais, j'en ferai un autre, puis ça sera d'autres personnes. Parce que, c'est sûr, je voulais prendre toutes les générations. Toutes les générations de Savage. Tu sais, comme tantôt, j'étais comme, c'est vrai, tu sais, Dom Coron, son frère Yann, il a aidé aussi. Tu sais, c'est comme, là, je suis comme, ah. Mais bon, hey, c'est un cadeau, puis let's go aussi. On souhaite des hits. C'est pas la première fois que ça va pas être la dernière fois que ça arrive. Si c'est marqué numéro 1, c'est parce qu'on prévoit d'en faire quelques autres, là. Give me a break, give me a break. Puis tu sais, c'est pas tant. Je suis pas allé non plus juste avec les ventes, là. Honnêtement, là. In Canvas ici, John Tavares pour les Maple Leafs.
Young Gun de Brady Keeper pour la Floride. Jean-Guy Perron. Lui, c'est un. Jean-Guy, là, lui, là, mettons, là, pendant un bout, là, c'était la compétition à Tom Gagnon. Là. Quinn Hughes, Yuli Portrait, rookie pour le Vancouver. Et on a une petite Mikko Rantanen, Shooting Star pour les pour le Colorado. Mais tu sais, je voulais aussi prendre comme du nouveau monde aussi, puis je voulais prendre du vieux monde aussi que je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, là. Mais que tu sais Gino Lévesque là, c'est genre mettons un vieux de la vieille là. C'est sûrement qu'il y en a plein qui ont aucune fucking idée c'est qui là. Mais Gino Lévesque là, avec Jean Desroches a marqué sa ville, je sais pas. Moi quand là je break, mais il y a Yakov aussi là, c'est comme lui, c'est comme genre comme la première entre la première puis la deuxième génération là, mais c'est juste qu'il est tout le temps là. Brandon Gignac pour les Devils de New Jersey, puis là je sais qu'il y a Arizona là, on va y souhaiter que du bonheur là, mais non, faudrait une grosse young gun là, pour virer fou là. Mathieu Saint-Maurice, Young Gun de Brandon Gignac. Dom Coron qui ferait beaucoup de promos dans le football. Et là, on a déjà des bases encore là. No joke là, come on man. Ah oui, juste des bases encore. Ok. Give me a break. Donc, c'est ça, et celui qui a gagné, c'est la fin de Copa, c'est Jean Desroches. Donc, on va t'envoyer ça avec. Quelle équipe t'as eu, Jean? Bon, peu importe, là, on va t'envoyer ça avec tes affaires. Je pense que t'as eu. C'est beau. Fuck off. Henrik Lundqvist, UD Portrait. Pour les Rangers. Vladislav Karikov pour les Blue Jackets de Columbus. À date, là, c'est tous des petits teams à part genre Devils. Columbus, Anaheim. Et c'est vrai, le retour des bisous, ça fait longtemps. Hein? La Floride, ouais. Brad Marchand, UD Game, Jersey. Lui, il donne pas des bisous, il liche des faces. Il liche des figures. C'était à qui qu'il avait des. À qui qu'il avait liché la figure en plus, là? C'était genre. T'es quand même un genre de gars tough, là, qu'il fallait pas que tu. Que tu, genre, mettons, gnaises trop, pis il l'avait fait pareil, hein. Et oui, Max Gaudreau. C'est à cause de Nicolas, tu sais. Nicolas aussi, j'ai fait comme. Oh. On va être le prochain pour Nicolas aussi. Mais comme je dis, je voulais varier ancienne, nouvelle génération et ça donne ça. C'est ça, Nick Foligno, c'est quand même un tough là, pis il a quand même liché la face comme un fucking imbécile, man. Canvas, Nino Niederreiter pour la Caroline. Jack Eichel, UD Portrait. Là, j'ai dû en manquer une couple là, parce que là, j'ai dû trop parler. Parce que là, on a 3 Young Guns, puis il reste 4 paquets, il en resterait 3. En fait, il aurait sûrement été, genre, suspendu là, s'il avait fait ça pendant le COVID, honnêtement. Là. En fait, je crois pas qu'il a pas été suspendu tout court. Là.
Young Gun de Rasmus Sandin. Bon, ben là, on commence à parler un peu. Max Jones, Rasmus Sandin, quand même pas pire. Rémi Lalancette pour les Maple Leafs. Pour les Maple Leafs, c'est peut-être la meilleure là, qui est sortie. Avec Max Jones. Il nous en manquerait encore deux autres. Canvas de Andreas Athanasiou pour les Red Wings de Détroit. Amen. Une Young Gun de Villanola pour les Jets de Winnipeg. Et ça, honnêtement, carte cachée. Carte cachée, là, Steve Robitaille. Ça, c'est une belle carte cachée, Villanola. Honnêtement, là, super sous-estimé. Je dis, là, c'est un peu comme, mettons, là, l'année prochaine, là, ça va être une grosse carte, là, je te dis. Mais là, je vais regarder. Parce que là, je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 6 Young Guns. Et voilà. Donc, Villanola, Max Jones, Rasmus Sandin. Ce sont mes meilleurs là, pour l'instant. Et on va aller. On va aller chercher notre série 2 de cette année. Avec 40 personnes qui nous regardent. On aime ça. You're the best in the West. Donc, 5 boîtes. Island Break. 5 boîtes. Après notre série 2. On va faire notre Ice 18-19, notre Clear Cut 19-20 et notre petite Diamond 20-21. Des bisous. Fait que ça a apporté de l'amour, pis que là, let's go. Il aurait fallu que ça soit Batman qui fasse ce break-là, je pense. Mais Batman est mort. Fait que... Batman est décédé, ça a l'air. Fait que... Ok, donc, Hobby! 20-21. Donc, 20-21. Hobby, série 2. Let's go. On est rendu là. On est là. Bonne chance à tous, là. Donc là, celle-là, j'espère frapper un gros hit. Jonathan Toews, qui ne joue pas jouer cette année pour des problèmes personnels. Donc, on lui souhaite de revenir le plus vite possible et qu'il se remette en shape mentalement. Mason Marchman pour la Floride. Et on a une petite portrait ici de Steven Lawrence pour la Caroline. Jason Wright. Et ensuite, on a une Kotkaniemi, troisième année. Et on s'en va mettre trois autres paquets à déballer juste ici. Et là, après ça, série 1, la prochaine prochain break quand même. Oh, Young Gun, Canvas de Dylan Coughlin. Donc pour Vegas. Tommy Gagnon, premier hit pour Tommy. Soit dit en passant, il est seul dans les tiers à être GOAT. Et l'avantage d'être GOAT, c'est d'avoir le shipping tracking à toutes les semaines. Peu importe le nombre de commandes que tu fais. Donc, et voilà. On va avoir une deuxième gun et c'est une Nico Mikola pour le Blues de Saint-Louis, Kevin Asselin. Yuri Portrait, Egor Koshkov, Yuri Portrait, Rookie. Et on a une variante française ici pour l'Arizona. Yakov Maskal, Clayton Keller, la variation française, le jeune joueur. Ah, et puis si jeune, le jeune vétéran, Clayton Keller. Un de mes joueurs préférés. Il me fait beaucoup penser un peu, lui et Barzal, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Là.
Donc on a trouvé une Young Gun Canvas, et maintenant, on va essayer d'en trouver une High Gloss. Imaginez ça, on en a une High Gloss dans ce break-là. Là. Ça c'est incroyable. Une petite Denine Coughlin. Pour OPC, Marky Rookie, Nikolai Mizov, Rookie Material pour les Sharks de San Jose, Mikael Asselin. Et on a une Philippe Maillet. Faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, Philippe Maillet. Young Gun pour les Capitals de Washington, Maxime Legault. Et là, à date, là, c'est toutes des équipes différentes qui ont eu des Young Guns. Donc j'imagine que le dieu des cartes a fait là, on va leur donner toute une carte. Ou le plus possible. Parce que si vous avez remarqué, moi j'appelle, mettons, quand j'essaie d'avoir des cartes, là, je parle à monsieur carte. Mettons, comme s'il y avait genre un monsieur qui gérait les cartes, là, puis j'y parlais comme là. Let's go, monsieur carte, faut me donner plus de bons hits. Là. Donc là, monsieur carte, là, on veut une angle. Ah ouais, non, monsieur carte. On a trouvé deux Young Guns à date. Deux Young Guns. Il nous en manque quatre. Let's go. Et on en a une troisième, une Neil Hocklander pour Vancouver. C'est une belle carte, ça, Vancouver. Fred Mercier, c'en est une belle. Donc, si t'as Vancouver, c'est celle-là que tu veux. Dans la série 2. Le Guillaume Lacombe. Qui veut une High Gloss de Romanov? Pour être pas pire, hein? Moi, n'importe quel High Gloss, là, je capoterais Young Gun. Marky Rookie, Award Winners, OPC, Corner of the Buck. Une Corner of the Buck encore, OPC. Et là, on a une Kirill Ustamenko, Yuli Portrait Rookie pour les Flyers. Et en dessous, on a une base de Elias Pettersson. Et le reste, c'est des bases. Et là, rien ne va plus pour le Canadien qui perd Carey Price pour une commotion cérébrale. Pas bon, ça. Pas bon pour l'équipe, ça. Pas bon pour l'équipe. Let's go, on y va. 3 hits à aller chercher. Dont une Darren Radish. Et là, on a... on est mieux de me donner une grosse carte, là, tabrouette, là. Parce que là, on a Philippe Maillet, Ryan Radish. Petit boulot, là, let's go. Le front. On a une petite Brendan Shen, Yuli Canvas. Pour Saint-Louis, les Blues. On va avoir une autre Young Gun. Et c'est une... Carl Foot pour Tampa Bay. Je me souviens pas avoir vu Carl Foot avec un gros nom, man. Pour de vrai, là. Donc, ça me fait un peu peur, là. Carl Foot, le Lightning de Tampa Bay. David vient, premier hit. Comme je vous dis, on dirait que Monsieur Carter a décidé d'en donner une à tout le monde. Une, deux, trois, quatre. Il nous en manque une seule. Il manque une carte, OK? Il nous manque une Young Gun, mais là, me semble qu'on en... il nous reste beaucoup de paquets à ouvrir pour une seule Young Gun. Effectivement, j'ai vu le memes sur notre chum Drouin. C'est pas toi, c'est ton Wi-Fi. Philippe Courachev, Beauty Portrait Rookie pour Chicago. Là, on va avoir une... oh shit, ok. Il y aurait Yoel Ricky Rivanka, Blue Border pour Dallas. Et là, on va avoir une Beauty Portrait. Mais là, je le sais que la jaune, c'est sur 99, là. Mais la bleue, c'est sur combien, là? Imaginez, c'est une Lafrenière, genre sur 3 ou sur 5.
Je capoterai. On va aller voir. C'est pas une Dazzler. Ce n'est pas une Dazzler. C'est une Portrait bleue. Sur 25. Et c'est une Shayne Bauer. C'est la 24e sur 25. Donc, pour le Colorado, j'aurais capoté. J'aurais capoté. Shayne Bauer, Colorado, ça c'est à Nicolas Bélanger. Yes, sir. Shayne Bauer sur 25 seulement. Donc, la Shayne Bauer, UD Portrait. C'est la première fois que j'en sors une bleue. Habituellement, là, j'en sors. J'ai sorti des jaunes. Mais là. J'ai sorti une rookie bleue. Et il lui manquerait une seule Young Gun. Donc. Là, on va souhaiter une astide grosse Young Gun aussi. Là. Et je pense qu'on va avoir. Non. Une Nico Mikola pour Saint-Louis. Je pense qu'on allait avoir une petite Canvas Young Gun, mais non. Ricard Raquel pour les Ducks d'Anaheim, Michael Caron. John Gibson pour les Ducks d'Anaheim et Michael Caron. Et il nous reste une carte à trouver dans celle-là, dans ce paquet-là. Et c'est une Barham Marquee Rookie. Et il nous reste deux paquets, dont une Young Gun. Donc, il nous reste un paquet après ça. Là, on a une petite Marquee Rookie de Barham pour le Colorado. Et on a là-dedans, supposé, une Young Gun. Parce qu'il me semble que j'en ai compté seulement 5. Et oui, on va avoir une Young Gun de Gianni Acampa pour les Ducks d'Anaheim, Michael Caron. Donc, on a eu 7 Young Guns au final avec la Dylan Coughlin. On aurait aimé ça avoir. Mais on a Cal Foot aussi. Mais on a Philippe Maillet et Radin Radish. Là. Ouais. Ok, donc on s'en va. Mais là, je sais qu'il y a bien du monde qui tripe sur Philippe Maillet là, parce que. Il est... Ouh, c'est lourd ça. Ok, donc Ice. Ice pour Buffalo. Ah, Ice 18-19, ok? Donc, une petite 18-19. Donc là, on peut avoir une... Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de Signature Puck. Donc ça, c'est une carte signée. Il me semble que j'en sortais tout le temps au début. Et là, ça fait vraiment longtemps qu'on en a pas sorti. Et il peut avoir l'update Rookie, dans le fond, de Jack Eichel. Signé, donc Rookie Jack Eichel signé, c'est quand même pas mauvais. Là. Et... dans 18-19, on peut aller chercher du Kotkaniemi, on peut aller chercher du Vejnikov. Donc c'est la chance, c'est la seule chance pour la Caroline d'avoir du Vejnikov. Elias Pettersson pour Vancouver, Carter Hart pour Philadelphie. Philadelphie, là, j'ai jamais, jamais sorti une Carter Hart là-dedans, là, dans la ice. Donc, on va aller voir notre verte. C'est une Alex Dobrynka variation verte pour les Hawks de Chicago. Dom Caron. Ouais, les Ducks sont pas beaucoup sortis jusqu'à présent. Deux bases en dessous. Et notre première, c'est une Nicolas Aubé-Cubel, le Québécois, la 504e. 554e sur 999 pour les Flyers. Pour les volants. Oui, Caroline. Pou, pou, pou. Et là, je pense qu'on va avoir un jersey. On a une petite Connor McDavid, Edmonton, Sonny Dubé, variation. Et en dessous, on a une signature première pour les Hurricanes de la Caroline. On a une Ethan Beer jersey dans le même paquet pour Edmonton. Mais là, la signature, premier autographe. La 260e sur 299. Ça s'en va, Jason Wright. C'est la première signature de ce beau petit break. C'est une... Ça s'en va, Jason Wright. Et là, la Hayden Beer, je vais la mettre... Hey, come on, là.
Let's go, les gros sleeves, vous êtes capables. Ok. Donc là, Ethan Bear pour Edmonton. Rookie jersey première. Et la première autographe, la 280e sur 299. Il me semblait aussi, c'est une update. Donc c'est une update de 17-18. Donc, Kokanen, Jani Kokanen sur 2,99. Il était belle en bleu. Là, ils sont plus en vert cette année-là, 18-19, là, mais elle est vraiment belle en bleu. Et on va la mettre à la place de notre chum. Et je pense que je l'ai mis entre deux. Non, je l'ai mis dans un 100. Come on, man. Donc, première signature, c'est celle-là. Et on nous garantissait une signature et un jersey. Et on a eu les deux, là. Fait que là, on va s'espérer avoir une autre signature, ce qui serait le fun. Vu que c'est une update, peut-être même une exquisite signée. William Carlson pour Las Vegas, variation verte. Une petite base. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une Henry Yorki Arju. Donc la 269e Sub-Zero. Sub-Zero Rookie 269e sur 999 pour les Blackhawks. Et là, là-dedans, regardez, on va avoir quelque chose de bien, là. On va avoir quelque chose de bien. Je vais la garder pour tantôt. Parce que là, je vois qu'on va peut-être avoir une signature encore. Ou peut-être même. Je sais pas. Mais je sais qu'on a une carte spéciale. Donc, Thomas Chabot pour les Sénateurs, variation verte. On a deux bases ici. On a une première. Ça semble être un gardien. Est-ce que ça pourrait être Carter Hart, et c'est Monsieur Samuel Deschambault, Montembeau, excusez. Samuel Montembeau, la 631e sur 1299 pour la Floride. Jean-Guy Perron, un dernier paquet. Et on n'aura pas d'exquisite. On a une variation verte de Eric Staal avec le Wild, qui est passé après ça avec Buffalo, qui rentre avec le Canadien. Il a scoré hier, Monsieur Staal. Une petite base. Il nous reste une première. Et ça semble être Noah Jolson. La 481e sur 499 pour Montréal. Donc lui qui est rendu en Floride. Qui a été réclamé au ballottage au début de l'année par la Floride. On lui souhaite une belle carrière. Ça va être un chic type en plus. J'aurais aimé ça qu'il soit épargné par des blessures. Je suis persuadé qu'il peut devenir encore un bon défenseur. Ok, donc on s'en va voir. On a une base ici. Ok, on va voir notre green de Sean Monahan pour les Flames de Calgary. Et là, moi, je vais en profiter pour faire ça. Pogner ça. Et là, comment ça s'ouvre? Je pense honnêtement que ça va juste être une jumbo. Une jumbo relic, checkez bien ça. Les sabres de Buffalo. 18-19, on a du Rasmus Dahlin et c'est ce qu'on a ici. Rasmus Dahlin, Rookie Relic Jumbo. La 19e sur 199 pour le défenseur des sabres, Kevin Lachance. Donc on sort une Rasmus Dahlin. J'avais oublié de dire qu'il faisait partie des rookies 19-20 à 18-19. Donc Rasmus Dahlin. Pour toi, le premier choix overall du 8-19, lui là, il va être fucking fort. Même si on dirait que ça n'a rien d'être brûlé là, à Buffalo. Clear cut 19-20, on va aller voir ce qu'on a. Et après ça, on embarque sur la diamant. On va placer comme ça pour que tout le monde puisse la voir en évidence. Elle s'en vient. Et là, on va faire de la place. Malgré que c'est rare une bleue, on pourrait la laisser. Ok, donc, clear cut. Et on a une Palladium pour les Blues de Saint-Louis, le papa de Brady, le papa de Matthew. Les Blues, Kevin Asselin. Donc, Kevin Asselin qui se retrouve avec la Palladium de Keith Tkachuk. Encore un tabarnak de tough, ça. Honnêtement. Donc, c'est notre deuxième signature du break. Ça s'en va à Kev. Et là,
Je sens qu'on va avoir une grosse Black Diamond. Pas le choix, là. Pas le choix rendu là. Let's go, monsieur 4, c'est le temps. Faut lui donner de l'amour, là. En tout cas, la dernière fois qu'on donnait de l'amour, je me souviens que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a une Lafrenière. Sandwich, 6 cartes. 6 cartes. Allons voir si le vin est bon. Donc, on s'en va regarder ce qu'on a. Effectivement. On a quand même besoin de bisous. Et on a pas de diamants, mais on a 4 tics. Dont l'exquisite. Fait que là, la tic, c'est une signature. Fait qu'on pourrait peut-être espérer une auto-patch rookie. Et là, on a Mario qui sort sa carte Diamond. Dans le fond, une petite base sur 349 de Mario Lemieux, la 126e. Give me the loot! Give me the loot! Give me the loot! Ok, on s'en va en dessous pour notre exquisite. Et notre exquisite est sur 299. Et c'est la Corner McMichael. La 25e print au total. On était si proche de son jersey number. Les Capitals, le centre d'avenir. Corner McMichael, Maxime Legault, Rookie Exquisite Collection. 25e sur 299. Corner McMichael. On s'en va en dessous encore. Et là, ça semble être une Diamond Future ou une Diamond. C'est une Diamond Future. Diamond Future sur 349. Et c'est une Uli, le jeune défenseur. Donc la 316e. 316! La 316e pour Vancouver. Fred Mercier là pour la 316e sur 349. Ok. Allez, il nous reste avec ça 3 cartes seulement. Hein. 3 cartes. On va aller chercher d'abord notre petit jersey, la relique. C'est une patch, c'est pas une patch. C'est un jersey de Mike Zibanejad pour les Rangers de New York, Samsung. On a aimé ça, avoir une petite Laffy Taffy, là. Mika Zibanejad, jersey avec sa chevelure dans le vent. Il est rendu avec les cheveux longs en esti, hein. Donc, évidemment, le blanc hein, de mise avec les Rangers. Et Zibanejad Relic. Et là, on s'en va à notre Jumbo. Notre Jumbo Team Logo. Et c'est une Josh Norris pour les Sénateurs d'Ottawa. Maxime Gaudreau. Quand même une belle petite patch là. Beaucoup de couleurs là. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs. Donc, Rookie Josh Norris. Team Logo Jumbo. C'est vrai qu'ils sont vraiment gigantesques, les patchs de Black Diamond. Et là, il nous reste une seule carte et c'est la signature. Là. Et là, on espère frapper un méga hit. Là, c'est le temps ou jamais. Si je me trompe pas. Ok. Donc, c'est une Black Diamond Rookie en passant. Donc, c'est une Rookie. Et on s'en va voir ce qu'on a. Ouh, Team Logo Jumbo pour Buffalo. Donc, regardez ça, la signature sur 99. Team Logo Jumbo, la 32e. Dylan Cousin, Buffalo qui sort le nul fort. Kevin Lachance qui sort le logo parfait avec une signature de Dylan Cousin.
Ils sont rares en plus, ces signatures à lui, j'en ai pas vu souvent. Donc, sur 99, la 32e. Et j'ai pas de case 180. Allez voir ça. Allez voir si j'ai pas là. Allez voir si j'ai pas un one touch là. Non, je sais pas pourquoi je check, je sais que j'en ai pas. Et non, j'en ai pas, donc je peux pas mettre dans un one touch pour l'instant. Fait que. Grosse carte là. Kevin la chance. C'est vraiment une super carte ça, honnêtement. Dylan Cousin, top 5 de ce draft de cette année. Et là, on a. Team logo sur 99, la 32e. Kevin Lachance. Donc, Kev Lachance, félicitations mon ami, c'est toi qui as le hit du break, là, on s'entend. Mais si j'aurais aimé ça, man, un petit peu plus de gravy là, pour peindre du monde. Là. Donc, c'est ça, fait que c'est ce qui m'a fait à notre Island Break. Merci beaucoup d'avoir participé, à tous ceux qui ont participé. Merci d'être là encore. Merci d'être parmi nous depuis si longtemps pour certains. Puis là, je m'en fais un autre break. Fait que c'était pour vous remercier, ceux-là, là, donc ce petit break-là. On veut toujours en donner plus. Hein. Fait que c'est ça. Donc, Keith Ketchuk en passant que Yann Vigneault collectionne, si jamais, là, Saint-Louis, Kevin Asselin. Et on se voit tout à l'heure parce que je commence un autre break dans 20 minutes et je vais faire un late night avec Alain Somni. Merci tout le monde d'avoir été là et on se voit bientôt, ok? Donc, rock and roll! Allez, tiens, on va mettre un classique aussi. Et tout ce qui compte, c'est...